Lulu et Roxane sont au taquet. On commence. Merci. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Maman, tu sais qu'aujourd'hui c'est une semaine très spéciale. Exactement, alors mes loulous, on vous a préparé une semaine recette sur un thème qu'on adore. Et ce thème c'est... Mickey et Minnie. C'est moi Mickey. C'est moi Minnie. Arrête. Et d'ailleurs, pour l'occasion, ma loulou, tu as revêtu les belles petites oreilles de Minnie. Et toi, t'as rien? Non, moi j'en ai pas, mais par contre, moi j'ai fait toute la petite déco de l'atelier. Si vous aimez notre déco, je vais mourir tuée par une oreille de Minnie. Donc si vous aimez notre déco, laissez maintenant un gros pouce bleu. Et donc, ma loulou, que vas-tu faire, toi, pour ta recette sur le thème Mickey Minnie? J'aimerais bien faire... Ah tiens, des cupcakes Minnie. Ah donc du coup toi tu mets de côté Mickey et on fait que Minnie ensemble. Ah oui. Est-ce que ça va être des cupcakes à se taper les fesses par terre? Bah oui. Bah oui, arrête avec tes oreilles. Bon, vous voulez la recette, suivez-nous. C'est parti. Pour les cupcakes au chocolat, il nous faudra du beurre, des œufs, de la farine, du sucre, de la levure et du chocolat. Je commence par faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes. J'ajoute le sucre et je laisse refroidir pendant 10 minutes. Je verse le mélange refroidi dans mon bol et je fouette pendant 5 minutes. J'ajoute les œufs. Et je termine avec la farine et la levure. Je verse ma pâte dans les caissettes. Et des caissettes, rouge et blanc à petits pois. Pour le glaçage, il nous faudra de la crème, du chocolat blanc fondu, de la maïzena, des décorations et on vous met le lien en barre d'infos. Vous allez voir ma ganache au chocolat blanc, c'est de la tuerie. Je commence par verser ma crème dans une casserole et je mets sur feu doux pour chauffer la crème. J'ajoute maintenant la maïzena et je fouette pendant une minute. J'ajoute le chocolat fondu et je fouette encore pendant une minute. Je la verse dans un bol et ça part au frais pendant 6 heures. Une fois refroidie, je la mélange pour qu'elle soit épaisse. Je récupère mes gâteaux. Je poche ma ganache. Et je les décore. Et voilà, nos cupcakes mini sont terminés. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est une recette super rapide, super simple et en plus gourmande avec le côté chocolaté. La ganache chocolat blanc, c'est de la bombe atomique. Une déco super rapide avec les petits disques en azim. Après, vous pouvez pousser la déco en ajoutant des petites perles, des oreilles en pâte à sucre. Voilà, faites-vous plaisir sur la déco. Vous pouvez faire la maison de Mickey en pâte à sucre. Mais alors, est-ce qu'elle va rentrer sur le cupcake? Non, mais tout seul. Ah, donc on parle plus de cupcake là. Ah. On a compris. Louane part toujours dans tous les sens. C'est... Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ben moi, ça m'a beaucoup plu. J'adore pâtisser avec toi et en plus, il y a plein de chocolat. C'était trop bon. J'espère que t'as pas goûté. Non, je t'attends. Abonnez-vous et mettez des likes. Enfin, des pouces bleus. Et on vous aime très 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 fort. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi à 17h pour une vidéo sur le thème de Mickey. Et Minnie. Non, moi, que c'est que Mickey. Bye bye. On vous aime.